C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Tous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrit son histoire dans le verre ou dans la pierre. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle et avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâti de ses mains. Tous les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares